Dans cette vidéo, on va parler du post de Kylian Mbappé sur Instagram. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est ne partie. Alors, Kylian Mbappé a posté un message sur Instagram en affichant son mécontentement vis-à-vis -vis du PSG. Et le PSG a publié une vidéo. Donc, il n'était pas d'accord. Et ça a fait un boom, ça a fait. Ça a fait polémique. Beaucoup ont critiqué Kylian Mbappé que Mbappé aurait dû, il aurait dû arranger le problème en interne. Moi, je vous le dis, Mbappé, c'est un mec très intelligent. C'est un mec très intelligent. S'il si ne l'a pas fait, s'il si a publié ce message de manière publique, ça signifie qu'en interne, il savait peut-être que ça n'allait pas marcher. Parce que Mbappé, franchement, c'est un mec qui sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. S'il a publié ce message publiquement, ça signifie qu'en interne, ça ne devait pas marcher. Il savait qu'on ne devrait pas résoudre le problème de manière correcte s'il si passait par la solution interne. Du coup, donc, il a décidé de publier un message sur Instagram et ça a causé ce que ça a causé. Maintenant, donc, ce qui me choque dans ça, c'est que. Comment le PSG peut publier une vidéo de cette envergure sans que Nasser lui-même soit au courant Parce que apparemment, c'est comme si Nasser n'était même pas au courant, les gars. C'est comme si Nasser Al-Khelaifi n'était même pas au courant. Tu publies une vidéo, le boss même n'est pas au courant. Ça me paraît un peu bizarre, tu vois. Donc, le PSG, franchement, le PSG, il n'y a pas un jour qu'on passe sans parler du PSG, les gars. Il n'y a pas un jour. Il n'y a vraiment pas un jour. Mbappé, oui, c'est un monde qui est au-dessus du club. Est-ce que c'est vraiment de sa faute Parce que lui, il a voulu partir du PSG. Le PSG lui a proposé un contrat mirobolant. C'est au PSG de ne pas accepter ses conditions. Est-ce qu'il a forcé le PSG à accepter ses conditions Il n'a pas forcé le PSG à accepter ses conditions. C'est le PSG qui a accepté ses conditions. C'est le PSG qui a accepté ses conditions. Qui a accepté ses conditions. Il assume ça il devra assumer il devra assumer le PSG a tout fait pour le prolonger on lui a donné le plein pouvoir on lui a donné le plus pouvoir est-ce que c'est vraiment la faute de Kylian Mbappé si entre guillemets il est au-dessus du club Ce n'est pas sa faute parce que pour le garder le PSG lui a tout promis et il doit assumer les conséquences donc Mbappé s'il est passé par l'option Instagram ça signifie que ça signifie qu'il a compris que s'il si passait par la solution interne, ça ne l'est pas à arranger les choses. Parce que, une fois de plus, c'est un mec qui est très intelligent. Il est très intelligent. Il sait ce qu'il fait. Donc, voilà ce que je partager avec toi. moi en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.